Bon, idéalement, ce qu'il nous faut, c'est. Parce que moi, tout à l'heure, j'ai réussi, il y avait deux mecs à la lance, deux mecs au gun. D'accord. Donc, si on peut avoir des mecs à la lance, c'est bien. Ouais, bah parce ouais. que d'autres mecs, ils vont se faire couper en deux par les AOE, donc. Ouais, s'ils font pas gaffe, ouais. Alors, y'a qui veut venir? Hop. Insectoglave 76, non? Non. Le petit Xeno Jivava, Alpha Suprême de la mort qui tue. Et ça, c'est l'Alpha Suprême. Après, alors, plus tard, tu auras le rang maître. Un gun 186, celui-là, je le prends. Gun lourd en plus. Double épée, mais à 73, non. Un petit. Blanco. J'avoue que les graphismes et tout, les détails des cristaux au fond et tout, c'est. Ah wow. Ouais. Et encore, toi, c'est. Je veux dire, c'est rien. Parce que. Moi, si je te le montre comment je le vois là, j'ai encore pas mis. Ah, t'es en 4K, donc ouais, normal, mais. J'ai en 4K, tout à fond et tout, mais. C'est genre, on dirait que c'est même pas le même jeu, quoi. Un autre gun lourd 122, on prend. Ouais, vas-y. Bon, le mec, il va. On va direct. Ouais. Merde. Oh oui, et puis lui il est beau aussi, oh la vache. Ah ouais. Je peux récupérer le jaune. Oh, les lumières et tout du coup. Ah bah oui. Oh, c'est impressionnant la différence. Oh, puis l'effet miroir sur les sur le monstre du coup. C'est impressionnant. Ah bah oui. Ça je dis qu'il est magnifique. Ah, les versions console, ils vont avoir les boules là. Et en fait, il est chromé. Ouais, non, mais carrément. Par contre, je vois plus rien avec ses ailes et tout. Ok, mon truc il est en train de partir, faut que je fasse gaffe. J'ai une capsule là. Ok, il va s'enfoncer, il va faire son AOE. Nice. C'est vrai qu'il reste pas longtemps la première fois. Oui. Mais en fait, il reste de plus en plus longtemps. Merde. Ouh, j'ai eu chaud. Après j'ai remarqué, si on le DPS bien, quand il est énervé, il calme sa rage direct. Ouais. Oui.
Qu'est-ce qu'il va faire? Un coup de patte. Tu me visais, un coup de queue. Ok, sans... Ah non, ça s'enfonce pas là, il est pas énervé, c'est vrai. Mais putain, je suis en train de... Je suis en kiff devant les textures, putain. Ouais. Ah ouais. Ah non, mais elles sont très très haute définition. Hein. Ils sont pas foutus notre gueule. Hein. Non. Elle s'envole. Oh, m'a touché le bout de sa patte. Ou de sa queue, je sais pas. Elle est paralysée. Putain. Ouais. C'est le mec avec sa lance. Quel laser. Ouh. Merde. Poudre de vie. Heureusement que j'ai mon bouclier. Merde, j'ai plus de... Grave, oh, pile poil sur ma tête. Merci. Ok, qu'est-ce qu'il fout? J'ai pas tenté, je sais que je peux me mettre au niveau de ses pattes arrière, mais j'ai pas, je préfère pas tenter. On a un qui est dans le, qui est un peu dans le feu. Je mets une poudre, mais sa vie est pas remontée. Niveau DPS, je suis pas ouf, mais je joue sécure. Enfin, j'essaie de jouer sécure. Il s'envole. Oh merci Christo. Oui. Où sont les pieds bien? Ok. Capsule explosif. Mais non, mais je suis tout seul derrière, t'as trois mecs devant toi en train de te tirer dessus, il faut que tu choisisses de me tirer dessus. Waouh! Ah bah oui, au bout d'un moment il se tourne. Non, mais en plus je venais tout juste d'y aller quoi. Ah bon, à un moment, choisis tes cibles. Hein. Ils sont tous en face de toi en train de t'éclater la gueule. Ah
Ouais, je vais pouvoir bien l'attaquer, j'ai ma cape. Je suis ébloui. Ouais, c'est vrai que il Il est éblouissant. ça. Parce qu'en fait, du coup, il est tout chromé, mais c'est par point faible qu'il est. Oui, ça Au hybride point lumière. des ailes et tout ça. Stylé, ouais. Ok, il s'énerve. Putain, par contre. Ma cape qui s'arrête. Faire gaffe du coup. Oh putain, ouais. Oh Oh putain, putain, ouais. je l'ai bien cancel. Et vous avez bien profité du coup. Chaque fois qu'il essaie de faire un truc, je vais balancer un petit truc explosif. Oh, toutes les trucs, capsules qui sont tombées là derrière. Oh merde. Bon, c'est bon, c'est bon. Les trois anneaux, j'ai eu assez de place pour pouvoir passer derrière. Pas tombé. Ah, nice. Oh putain, il est pas resté longtemps. Et en plus, c'est sur moi qui veut. Bon, c'est bon, tu me lâches. Il se renvole. Ah non. Il va. Ah, il va se casser la. Non! Ah, je suis passé en plein dedans. Bah lui aussi il passe en plein dedans. Ok, c'est cassé la gueule, mais il faut que je reprenne ma vie. Dommage. Ok, il a fait tomber un truc là. Mais non, mais pourquoi c'est sur moi? J'ai pas la place là. Bah, va-t'en, 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 barre-toi. Barre-toi, Lithium, ou reste au mieux. Ouais. Tu restes derrière lui dans ton coin là. C'est le pire endroit derrière lui. La petite capsule. Je suis en train de l'asmat avec les capsules. Ah Ah bah! oui! Avec les petites capsules, je l'asmat. Bon, c'est vous qui avez fait le plus gros taf, hein, mais. Mais ouais. GG. GG, GG. Qu'est-ce qu'il est beau. Bon.
Bon ben du coup, heureusement que j'ai pris, je l'ai pris en vidéo. Hein. Dans cette vidéo là, j'aurais pas montré mon plus gros skill, mais je suis pas mort. Je lui ai fait quand même du dégât et puis. Du dégât, je suis moi. Ah je sais pas, j'ai pas mis le truc de DPS. Mais ça se voit, vu que vous pouvez le toucher n'importe quand. Vous faites forcément plus de dégâts, moi j'y. J'ai pris une photo du truc. Vas-y. Ouais. Hop. Voilà. Nickel. Et ben, quel combat. Le combat est quand même assez puissant. Hein. Là, de toute façon, on le voit dans la vidéo. Là, j'étais full vie. J'ai pris un laser. Il me restait quoi? Il me restait. Ils disent que c'est un des plus durs des. Après, il me restait 5% de points de vie. Un truc comme ça. Pierre dragon bâton. Oh, nice. À part le BMOT, ils disent que c'est un des plus durs. Ouais. Non, mais carrément. Carrément, après il y aura la Kul'Staros, parce qu'elle est une sacrée envergure, mais ouais. Ouais, Kul'Staros, pareil, hein. Si on prend un truc perçant là. Bon, alors voyons voir la petite armure hein, pour la vidéo, on va la montrer. Après, comme vous avez vu, moi j'ai combattu avec une arme au corps à corps, c'est beaucoup moins gérable. En tout cas, si vous voulez être dans les top DPS. Faut faire attention à tous les coups, etc. Il y a certains moments où je pouvais bien attaquer, mais ça c'était quand j'avais la cape temporelle, donc c'était parce que j'étais sûr de pas pouvoir prendre un one shot. Mais vous l'avez vu que du coup, ceux à distance, ils peuvent, ils sont pas portés le plus souvent des grosses AOE. En plus avec le bouclier, si vous faites attention, vous pouvez les tanker. Et puis du coup tout ce qui est l'AOE, quand il fait les trois lignes devant lui ou trois lignes derrière lui avec la queue et tout ça, vous avez moyen d'être hors portée avec une arme à distance. Donc c'est quand même plus gérable au point de vue du DPS. Enfin de pouvoir faire un DPS régulier. Donc forger armure, Xenogiva Gamma. Et donc là on est sur. Une couleur rouge joyante, rouge et bleuté en même temps, qui est vraiment sympa. Alors niveau talent, alors déjà celle-là, le casque, il a 2 gemmes niveau 1, une gemme niveau 2, totem élémentaire 2, puissance absolue niveau 1, là on a un air d'acier niveau 2 avec 2 gemmes niveau 1, ici on a puissance absolue niveau 1, salve mortelle niveau 1, ici on a un berserker. Ah oui, sur les gants, il y a 2 gemmes niveau 2 et une gemme niveau 3. Ici, il y a une gemme niveau 3 et une gemme niveau 1. Et ici, on a encore un berserker qui donne... un autre berserker. Donc, on a niveau 2 en berserker, niveau 2 en puissance absolue, niveau 2 en air d'acier, et niveau 2 aussi en totem élémentaire, et niveau 1 en salve mortelle. Plus après la divinité du Xeno, le passif quand vous avez 3 pièces du set, que en gros c'est l'émoussement qui est réduit de moitié et permet parfois de tirer sans utiliser fiole. Donc ça c'est très puissant, en tout cas pour les guns, très puissant si vous n'utilisez pas les guns du Théostra Théostra Xeno. Donc une panneau vraiment sympa. Et après cette panneau là vous pouvez. Ah non, c'est pas celle-là qu'on peut avoir en. En ticket, tu l'as toi la spéciale, pas encore? Non, pas encore. Ok, bah je l'ai pas encore débloqué, j'ai eu qu'un seul ticket, il me semble. Moi aussi. Hein. Mais déjà, je vais faire. Parce que l'armure, elle a beaucoup de joyaux. Oui, elle a beaucoup de joyaux, et puis elle donne des trucs assez intéressants. Moi, je crois que j'ai eu qu'un seul ticket, je vais vérifier. Mais je crois que j'en ai eu qu'un seul. D'habitude j'en ai toujours deux dans ma première quête. Mais là. Ouais non mais là ils sont radins. Là ils ont pas voulu. En tout cas vous débloquez la quête hein, pour l'armure spéciale au forgeron comme d'habitude. Et après ici c'est là qu'il va falloir le lâcher. Et pareil, il faut le ticket commission de recherche. N'hésitez pas à aller regarder sur ma chaîne pour savoir où
Ouais, le chercher, hein. J'ai fait une vidéo exprès pour ce ticket bleu, ce petit ticket bleu que pas mal de personnes se demandent où l'avoir. J'ai fait une vidéo pour. Donc n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que la petite vidéo gameplay vous a plu. C'était au début pas cette pas cette, ce try là que j'avais filmé, mais je l'ai filmé quand même au cas où. Et puis le combat s'est très très bien passé, donc vous voyez que si vous faites les choses bien, si vous êtes au corps à corps comme moi, vous n'y allez que quand vous êtes sûr de ne pas prendre trop de dégâts, quoi. Faut vraiment pas essayer de faire le kiki metteur, le petit zerk qui fonce dans le tas, qui prend un coup de paluche et un coup de laser, et puis qu'il est retourné au camp. Ça ne sert strictement à rien. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher petit pouce bleu et à la prochaine. Bye bye tout le monde. Ciao.